page 414. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Accueille le Christ, il est ton sauveur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est une belle joie et une grâce de nous trouver ce matin ici à Fatima pour commencer ensemble ce rassemblement avant la Journée mondiale de la jeunesse avec le Saint-Père. C'est un moment exceptionnel d'un premier rassemblement dans ce lieu tellement marqué depuis plus d'un siècle par la prière, d'abord des trois petits voyants et de tant de foules depuis plus d'un siècle. Les papes successifs ont été nombreux à venir ici et à honorer la promesse que le Seigneur fait toujours de se faire comprendre, de se faire accueillir par les plus petits d'entre les hommes, ceux que tout le monde ignore,
ceux qui n'ont pas de place, de grande place sociale. Nous nous joignons à cette prière de tout un peuple immense, tourné vers le Seigneur avec l'aide de la Vierge Marie. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que le Seigneur nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèles aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la millième génération. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu.
Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Car en six jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia, 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 alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui, il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Nous ne pouvions pas manquer d'entendre ce matin ces deux lectures si importantes. La lecture tirée du livre de l'Exode au chapitre 20 qui dit ces 10 paroles, ces 10 commandements que la tradition nous a sans cesse livrés, redits comme des éléments extrêmement importants de la vie droite et juste. Mais bien sûr, cette vie droite et juste, qui cherche à ne faire aucun mal à qui que ce soit, est faite surtout pour tourner le regard de quiconque vers le Seigneur Dieu. C'est le premier des commandements qui est le plus fort et sur lequel nous nous arrêtons un instant ce matin. Vous l'avez entendu, mais je préfère le citer. « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras aucune idole. Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. » C'est parce que Dieu est celui-là, celui-ci qui fait vivre, celui qui fait sortir chacun d'entre nous depuis toujours des esclavages dans lesquels il risque bien de tomber ou d'être enfermé. C'est parce que vous avez fait, nous avons fait une expérience profonde de la rencontre du Seigneur qui nous ouvre des chemins toujours nouveaux, que nous comprenons que tout ce qui suit dans ces paroles est non seulement parole de sagesse pour bien vivre, mais parole d'ouverture du cœur vers le Seigneur et vers tout ce qu'il promet. En chemin comme nous le sommes avec cette étape de Fatima, nous sommes conscients d'être les enfants de ce Dieu qui cherche pour tous à les acheminer vers la joie de sa présence, vers la joie définitive, un jour pour nous, d'être avec lui et de faire du bien avec lui pour toujours. Si nous respectons cette loi, ça n'est pas seulement avec un désir moral,
mais avec un désir profondément spirituel de lui être uni et d'être détenteur de sa vraie promesse. Nous gardons cela très profondément dans notre cœur et nous entendons l'Évangile qui nous parle de ces terres qui accueillent la parole semée en nous. Il ne s'agit pas qu'il y ait plusieurs catégories d'hommes qui soient les uns incapables d'entendre la parole de Dieu, les autres incapables de la retenir, les troisièmes incapables de la faire grandir en eux, et finalement ceux qui la retiennent, l'accueillent et la rendent fructueuse. Mais c'est plutôt là encore d'un chemin qu'il s'agit. Nous savons bien que nous demeurons faibles et fragiles, incapables du premier coup d'avancer vers le Seigneur sans son aide. Et donc, nous reconnaissons qu'à certains moments, nous sommes étouffés par des soucis de la vie. À d'autres moments, nous sommes heureux d'entendre la parole que nous oublions dans la minute qui suit. Mais notre désir le plus profond est d'être cette bonne terre qui reçoit la semence et la rend pleine de fruits. C'est cela que nous voulons vivre pendant ce temps de rencontre mondiale, de rencontre internationale avec les jeunes du monde entier et sous la conduite du Saint-Père. Dans ce lieu même, au milieu de circonstances extrêmement tragiques, nous étions en 1917 dans la Première Guerre mondiale extrêmement violente qui a tellement frappé le monde. Et puis, juste après, à peine 2-3 ans après, les jeunes qui ont vu la Vierge Marie ici, 2 sur 3 sont morts de la grippe espagnole. Une épidémie épouvantable qui, dans le monde, a fait presque 100 millions de morts, beaucoup plus que la guerre elle-même. Dans ces circonstances tragiques, ils ont entendu, et en ce lieu où on a bâti une petite chapelle qui est derrière moi, ils ont entendu la Vierge Marie, ils ont compris qu'elle les invitait à avancer sur un chemin de sainteté, de prière, de demande de pardon, et ils ont vécu cela autant qu'ils ont pu le faire. Dans ce lieu, nous demandons à la Vierge Marie qui nous rassemble ce matin sur ce chemin de demeurer fidèle et ouvert à l'amour de Dieu qui se partage. Que le Seigneur illumine chacun d'entre vous, que chacun d'entre vous se souvienne que Dieu est là pour toujours avec lui et qu'il l'invite à sortir de toutes les situations dans lesquelles il se laisse enfermer. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint avec tous les saints, dans la communion des saints, ceux qui ont été déjà déclarés saints et sous le regard bienveillant de la Vierge Marie, nous entraîne.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la Bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montrée ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en chantant. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous avons la foi, Seigneur.
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons que, n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque José, Laurent, son frère, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Côme et de Sophie. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur les bienfaiteurs qui ont permis à tous ces jeunes de venir ici. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps
sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Ouais. Page 437. Page 435. Notre cœur est au brûlant.
Prions encore ensemble. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle, à nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans un instant, après la bénédiction, seront déposés aux pieds de la Vierge Marie les noms de tous les pèlerins du diocèse de Paris que vous êtes et qui sont donc confiés à la prière de tous. Nous avons cité tout à l'heure Côme, chêne séminariste, qui a trouvé la mort la semaine dernière au cours d'un camp de la paroisse Saint-Michel-les-Batignolles. Et il était accompagné dans la voiture, c'est un accident de la route, d'Emmanuel et de Chloé, qui ont été blessés, qui auraient dû venir et qui ne sont pas là. Nous sommes avec eux, ils sont avec nous dans la communion de la prière. Nous avons cité aussi Sophie Morinière, qui, il y a 10 ans, tout juste, au JMJ de Rio, a été aussi victime d'un accident de la route. Elle était du diocèse de Paris, de Saint-Léon, je crois. Et nous les avons cités au début de ce pèlerinage ensemble pour qu'ils soient toujours avec nous dans cette communion. Nous recevons la bénédiction du Seigneur qui nous envoie maintenant sur les chemins. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant et toujours, notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Page 432. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, mère des pauvres et des tout petits. Béni sois-tu. Page 408. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le sans fin. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petite.